Ce samedi 20 janvier 2018, nous sommes à La Roche-sur-Yon, où nous avons retrouvé Didier Trenet. Nous visitons le musée en attendant l'heure du vernissage de l'exposition Contre-courant de Sylvie Bonneau. Juste dans les années 2000, on va dire, j'ai déjà filmé par cette fenêtre en mars 2017. On peut retrouver ce plan dans l'épisode 60 du journal filmé. Toi, t'es deuxième, et moi, je suis avant-dernier, c'est ça? C'est plus classique. En fait, c'est paradoxal, c'est à la fois parce que c'est à la fois se laisser porter par le courant, par le flux, oui, mais tout en ayant peut-être, mettant en pratique des choses qui sont à contre-courant des pratiques. C'est simplement une autre façon de parler de l'approche critique des choses.